Je vais vous parler d'un livre de Christian Camara et Claudine Gaston, « Ça bouge, corps, sport et science ». Donc c'est un livre qui relate un peu de tous les aspects du sport. On peut penser que le sport c'est un peu inné et qu'on peut être fort tout de suite. C'est sûr qu'on peut avoir des aptitudes, mais là ça va être tout là à côté par rapport à la science, par rapport à l'importance de la musculation, l'importance du mental. Donc c'est un livre qui est assez agréable à regarder, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Puisqu'on a à la fois des schémas, des dessins, on a des photos de sportifs de haut niveau. C'est un livre qui est adapté pour les enfants parce que, en fait, il y a, au-delà des images, des dessins, il y a vraiment c'est expliqué par des schémas assez simples. Et donc, on peut vraiment s'appuyer dessus pour après orienter l'enfant dans le sport et vraiment tous ces aspects qui permettent à lui de performer après et d'être acteur et moteur dans son apprentissage. C'est important de pouvoir avoir un échange avec son enfant, avec ce livre, parce qu'il y a plusieurs aussi des phases un peu de dérive dans le sport avec le dopage, donc il faut pouvoir expliquer aux enfants aussi ce que c'est. Et donc il y a vraiment ce moment d'échange, notamment aussi, on peut parler de la biomécanique et tout, donc il faut un peu aussi expliquer. Donc il y a ce rapport par l'enfant qui va être important dans l'explication de certains schémas dans le sport. Ce livre est vraiment intéressant pour les enfants qui sont dans des activités physiques déjà à l'extérieur de l'école. D'accord, il y a beaucoup de choses à 3 ans, on essaie de découvrir la coordination, la motricité. Mais là, c'est vraiment axé dans le sport, donc il faut vraiment s'engager déjà dans une activité spécifique. Donc ça va être un bon appui pour l'enfant dans sa pratique, qu'il exerce en club, parce que vraiment, on a toutes les phases qui sont bien décrites dedans. On parle aussi même d'à côté avec la réalité virtuelle, on parle aussi du handicap dans les sports. Donc, vraiment, ça va lui donner une palette multiple par rapport à son activité et aussi découvrir de nouvelles activités. Le livre, il s'appuie vraiment sur une palette différente de sports, que ce soit les APPN, les activités de plein air, que ce soit la natation, que ce soit le cyclisme, les sports collectifs, les sports de contact. Et vraiment, il s'appuie sur tout, donc l'enfant va se retrouver quelle que soit l'activité qu'il fait.